Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Scoreboard pour une autre vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, nous verrons sans doute des choses hors du commun, des choses assez compliquées, des images peut-être qui vont vous choquer, mais mes frères et sœurs, nous allons tout simplement vous demander d'être forts. Et nous parlerons de la musique. La musique est-elle de la sorcellerie ou un truc pour juste nous amuser? Les images que vous allez voir, mes frères, vont vous étonner. Et ici, un rappeur célèbre en plein concert va faire des révélations. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour l'activer et suivez-nous. Vous pouvez également cliquer sur j'aime. Dès que vous verrez que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur j'aime. Là, c'est vous qui décidez. Mais ici, regardez ça. Que voulez-vous, mes frères et sœurs? Allez, comme on voit tout simplement des choses hors du commun. Et que voyons-nous? On voit d'abord une fille et une autre fille qui est là. Mais que se passe-t-il ici? La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi a-t-elle fait ce signe-là? Qu'est-ce que c'est censé signifier? La plupart du temps, on voit ces signes-là dans les clips et on ne sait pas ce que ça signifie. On se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous aurez vos réponses. Que Dieu lui-même nous aide. Allons du plus loin. Que voyez-vous? La plupart du temps, dans les clips, on voit des femmes. Dans les clips, on voit des femmes qui sont sexy. Des femmes même qui sont habillées de la sorte. Et en plein concert, vous pouvez les voir dans cette dimension-là. Vous les voyez vraiment plus sexy que sexy. Et tout le monde se pose la question de ça, mais est-ce qu'il est toujours nécessaire que les femmes soient toujours habillées de façon sexy, nues, comme ça, dans les clips? Mes frères et sœurs, c'est un truc qui arrive. Même on expose les femmes en montrant les fesses comme ça. Regardez. Voilà. Tout ça, ça sert à quoi? Mes frères et sœurs, ça sert à amener les gens de le côté obscur de la chose. Le côté obscur, c'est là la musique prend une connotation vraiment obscure, sorcellerique, satanique, parce que là, les gens sont en train d'envoûter les gens. Quand une fille chante et qu'elle se positionne de la sorte, vous pensez à quoi? Quand une fille chante et qu'elle se positionne ainsi, tout le public regarde plus et qu'elle n'écoute plus ce qu'elle a dit. Tous les hommes vont se mettre, même tout le public va se mettre à regarder juste ses courbes, les courbes, les fesses. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que ce sera l'envoûtement. Les gens ne vont plus être concentrés sur ce que ils sont venus regarder. Sinon, ils seront juste en train de regarder ses fesses. Ils vont commencer à pécher dans leur tête parce qu'ils vont s'imaginer déjà sur le lit avec cette fille-là, avec tout ce que ça te voit. Même vous-même, quand vous voyez déjà ça, est-ce que ça ne vous dit rien? Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Si on ne vous a pas en parlé, vous avez pensé que c'est de la blague. Regardez, et c'est ce qui se passe dans la musique. C'est pourquoi nous avons parlé de la musique ou de la sorcellerie. Regardez, parce que les sorts sont lancés. Cette fille, sans doute, elle était prise dans un clip. C'est dans un clip qu'elle était, mais regardez comment elle est. On a l'impression que là, elle nous présente ce qu'elle a de spécial. Et ce sont ses seins. Regardez comment c'est exposé. Pourquoi les gens exposent-ils la femme de la sorte dans les clips? C'est pour juste passer un message caché qu'ils appellent les messages subliminaux. Et ce message caché qu'elle est tentée de vous transférer ici, c'est un message qui vient aussi du diable, qui veut que les gens pensent au sexe matin, midi, soir. Ainsi, ils seront faibles d'esprit. Faibles d'esprit. Ce sont des images qui ont l'air simples, mais ce sont des flèches pour nos esprits. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent supporter, qui ne peuvent résister à une telle image. Dès que ces gens voient ça, ils vont se masturber immédiatement. D'où, la musique devient un endroit où vous pouvez tout simplement recevoir des choses qui vont vous pousser à pécher. Regardez encore ça. Dans la musique, on voit, dans les clips, on voit beaucoup l'argent. L'argent et les filles.
Les gens viennent l'argent, on voit plein de filles comme ça. Elles sont juste là et c'est l'argent qui parle. Elles montrent l'argent à la caméra. Regardez même la fille qui est là. Regardez comment elle est. Elle est une femme avec une forte poitrine. Toutes ces choses, ce sont les choses qu'on nous présente aujourd'hui. Tout tourne autour de l'argent. Money, money, money. L'argent, 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 l'argent. Mes frères et sœurs, voici la réalité. Et c'est ce qu'on voit dans les clips. Donc, en premier lieu, les clips parlent du sexe. Ça, c'est le sexe. Après le sexe, on parle de l'argent. L'argent. Après l'argent, regardez. L'argent, la boisson. Regardez cette fille. Elle est juste là, en train de boire de l'alcool. En même temps, elle a des billets de banque sur elle. Il y a la prostitution. On incite les jeunes à coucher avec n'importe quelle fille, n'importe qui, avoir de la vie de débauche, avoir un comportement sexuel déréglé. C'est exactement ce qu'on chante. Il y a pas, tout à l'heure, j'écoutais, pendant nos recherches, pendant que nous préparions cette vidéo, nous avons découvert des gens. Eux, ils chantent sur le sexe. Ils chantent sur le sexe. Et ils disent dans la chanson, approchez, regardez. Approchez, regardez. Il y a des prostituées de 200. Il y a des prostituées de tel prix. Venez approcher et regarder. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Pourquoi ça? Et effectivement, vous devez approcher et regarder. Hein? Parce que tous ceux qui seront à ce concert-là, ils vont tous approcher comme ça pour juste regarder. Les gens vont chercher à découvrir ce qui se cache sous son vêtement. Et c'est là le diable va vous avoir. C'est là il va vous avoir. Le diable va commencer à programmer votre esprit. Programmer votre esprit. C'est là maintenant vous allez voir que le diable va commencer à opérer de contrôle mentaux. Contrôler votre esprit. Tout ce que vous avez dans la tête. Tout sera sous contrôle comme ça. Et les yeux du diable seront là pour vous observer. Dans tous les mouvements. Juste en regardant un clip ou en suivant quelqu'un qui a déjà livré son âme au diable. Vous regardez, est-ce que c'est ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir beaucoup d'argent dans des conditions où vous êtes dans le péché? Est-ce que c'est ce qui est bon pour vous? La musique aujourd'hui pousse beaucoup de personnes à choisir de mauvais chemins. C'est pourquoi nous sommes là pour vous dire, mes frères et sœurs, faites attention quand même. Hein. Vous faites vraiment très attention. Peut-être que ces choses vous ignorez, c'est pourquoi nous sommes là. Nous allons découvrir des choses qui vont même vous étonner. Regardez encore ça. Ici, on voit quoi? On voit une fille qui vient, une femme qui vient de recevoir une voiture, une grosse voiture. Si cette image est là, c'est tout simplement parce que dans les clips aujourd'hui, on parle aussi des voitures de luxe. En fait, on vous présente les femmes, on vous présente l'argent. On peut présenter les voitures de luxe, comme s'il n'y avait que ça à rechercher dans sa vie. Et vous, quand vous regardez ce genre de choses, vous ne penserez jamais à chercher Dieu. Pour vous, vous allez penser à ce moment que pour vous, le bonheur, le vrai bonheur se résume à avoir l'argent, avoir une belle vie comme ça. Vous voyez, pour vous, vous allez penser que c'est ça la vie. Et c'est ainsi les jeunes, la population vont commencer à être programmés à faire des choses vraiment bizarres. Ce sont les messages qui ont été communiqués qui influencent déjà les jeunes. Regardez ça. Tout le monde veut avoir des voitures de luxe. Toutes ces belles choses de ce monde. Or, il y a quelque chose qui se trouve derrière que vous ignorez. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Que signifie ce signe? Mes frères et sœurs, regardez ce signe qui est là. Regardez ça. C'est que la fait ici. Regardez ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Où est la différence entre ce qu'elle vient de faire et ça? N'avez-vous jamais vu ça? Mais bien sûr que oui. Il y a un artiste qui chante, un rappeur français. Un jour, il s'est pris en photo en faisant ça. C'est-à-dire, il porte des lunettes, il a porté une paire de lunettes, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Et avec l'autre main, il a fait aussi comme ça. Je suis sûr que vous savez de quoi il s'agit. C'est la même chose.
Mais qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir? Regardez ça. Regardez encore. Est-ce que vous voyez ça? Regardez ça. Waouh! C'est exactement ça. Regardez bien. Pourquoi les gens représentent-ils les trucs pareils si ça ne signifie rien? Pourquoi les gens représentent-ils les trucs pareils si ça n'a pas de sens? Mes frères et sœurs, voici sa véritable signification. Sachez que le premier doigt, le rond qui est là, aide le doigt qui est ici à former un 6. Puis le second doigt à former un autre 6. Puis le troisième doigt à former un troisième 6. Le tout réuni, qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez me voir le corps. Ça donne tout simplement 666. 666, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de la bête. La bête, c'est qui, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, la bête dont nous sommes en train de parler ici, là, c'est une créature qui a tous les mauvais comportements. Une créature qui s'intéresse juste à l'argent, à la belle vie, aux femmes sexy qui exposent leur corps, aux gens même qui ne font que penser au sexe, à l'argent, la convoitise, la cupidité. C'est ça 666. Et 666, c'est censé représenter le diable. Le diable. Et 666, ce sont des caractères. Le premier 6 représente 6 caractères. Le second 6 autres caractères. 6 autres caractères qui sont reliés à tout ce que nous sommes en train de vous montrer même ici, que nous découvrons la plupart du temps dans l'écrit. Est-ce que vous comprenez? Là, vous commencez à comprendre. Là, vous commencez à comprendre. Ça s'appelle 6 caractères. Regardez comment les gens sont. Dès qu'une fille se met à s'habiller de la sorte, de façon sexy ainsi, elle est tentée de glorifier qui? Elle est tentée de glorifier le 666, qui est censé être l'un des caractères, ou 6 caractères, 6 plus 6 plus 6, ça fait des caractères qui sont là. Ça veut dire que ce sont les caractères du diable, le comportement du diable. Le diable veut que les gens aient un certain comportement. Et ils utilisent la musique, les clips, pour bien véhiculer ce message, juste au travers même des artistes célèbres qu'ils vont utiliser pour véhiculer ce message, qui sont des comportements, des messages subliminaux qui vont aider les gens à transformer leur vie et à l'augmenter de la sorte. Toutes les personnes qui seront fans d'elle chercheront forcément à faire exactement comme ça, voire s'habiller de la sorte. Juste en écoutant de la musique en plus, avec la puissance de la musique, c'est-à-dire le son, la musique, la mélodie, les paroles, ça va dépasser la conscience de l'homme, aller de son subconscient, se loger là-bas et se mettre à opérer des changements. C'est ainsi que nous allons voir les choses pareilles. Regardez. Regardez comment la population s'habille. Juste au travers de la musique. Juste au travers de la musique. Regardez. C'est ça. Elle est même en train de boire. Dans la vidéo précédente, on vous a posé la question de savoir, mais qui est la femme? Qui est la femme idéale pour vous? Est-ce une femme qui boit de l'alcool? Mais regardez. Est-ce qu'elle ne boit pas? Ne boit-elle pas de l'alcool ici? Ne boit-elle pas de l'alcool? Regardez bien. Oui, elle a de l'alcool là. Elle a dû s'enivrer. Et c'est exactement ça. Le diable véhicule ce message du sexe, drogue, argent. Voici des messages qui sont véhiculés. Buvez de l'alcool comme si il n'y avait que ça sur la terre. Et regardez ça. Ainsi, vous aurez la marque 666 sur vous, mais inconsciemment. Si tu es arrogant, tu es un gars qui aime l'argent plus que Dieu, plus que les humains, toi, il faut savoir que déjà, tu as un comportement ou un caractère qui te relie au 666, qui est censé être la bête ou encore le diable. Quand on dit la bête, pourquoi la parole de Dieu appelle le 666 la bête ou encore le diable la bête? C'est tout simplement parce que son comportement est un comportement qui n'est pas normal du tout. C'est insensé. Il se comporte comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui est bête. Comme un animal. Le diable veut transformer les humains au stade où on va les considérer comme des animaux. Et c'est ça, c'est le 666. Regardez ça. C'est en train d'être publié.
c'est réel. Et le diable est tenté de marquer les générations. Il est tenté de marquer les humains par la marque. On dit que les gens vont recevoir cette marque-là sur leur front. On dit que les gens vont recevoir cette marque-là. Tout le monde en parle. On en parle, même les éveillés de conscience en parlent. Pour dire aux gens de faire attention parce que cette marque-là est en train de venir. Mais frère et soeur, cette marque est en train déjà d'être publiée rien qu'au travers de la musique et des clips. Un œil. C'est l'œil de qui? Pourquoi est-ce qu'on montre toujours un œil comme ça? Est-ce que Dieu a créé un homme avec un œil? Mais bien sûr que non. Quand vous voyez un œil comme ça, les gens disent que c'est un œil luciférien. Ou encore, c'est un œil qui connaît les gens au diable. Un jour, dans un spectacle, on a vu un gros œil comme ça qui était carrément exposé au bon milieu du podium. Au bon milieu. Excusez-moi, on va régler quelque chose ici. Nous allons régler quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont exposé un œil juste là, au bon milieu de leur truc. Ils ont exposé un œil comme ça, juste là, au bon milieu. Peut-être que les gens sont déchantés, il y a juste un œil qui est juste derrière. Un gros œil, et les gens sont devant en train de danser, de chanter. Cet œil qui est là, c'est censé représenter l'œil du diable. Les gens l'appellent l'œil qui voit tout. Les gens disent beaucoup de choses à propos de cet œil. Mais beaucoup de stars le représentent. Même dans les clips, on peut le découvrir. Oh, c'est un lien avec ça là. Ça c'est quoi? On parle du nouvel ordre mondial. Et ça c'est un signe qui a été retrouvé sur le billet de 1 dollar américain. Et on voit ça comme un œil encore qui est ici. Et cet œil est éclairé. Nous savons que le diable s'appelle Lucifer, non? Donc c'est de lui il s'agit, non? C'est du diable. On dit que le diable il cherche maintenant à se montrer juste en utilisant des signes les plus simples. Regardez ça. C'est cet œil-là qui est mis en valeur, plus c'est un symbole satanique. Ici, on peut voir que ce dessin qui est là, on peut voir que ce dessin-là forme un éclair. La parole dit que Jésus disait qu'il voyait le diable tomber du ciel comme un éclair. Donc quand nous on voit cet éclair là, systématiquement on se dit que quand une personne décide de se mettre un éclair juste ici, c'est que cette personne veut absolument nous montrer qu'elle est en train de soutenir le diable. Soutenir celui-là même qui est tombé du ciel. C'est ce que c'est censé signifier. En plus, on peut voir qu'il y a un œil qui est juste marqué ici. C'est comme si on marquait un œil. Comme cet œil que nous avons monté précédemment. Et cet œil est marqué par le 666. On nous savons que le 666, c'est censé représenter qui? Satan. Donc on va dire que c'est l'œil du 666 qui est ici. C'est comme si on se trouvait face à une personne qui est possédée par un démon. Et ce démon-là, c'est le diable. Et toutes les personnes qui représentent ça, qui sont même dans la musique, tout ce que ces personnes-là vont chanter, tout ce que ces personnes-là vont donner, ce ne sera pas des paroles de malédiction, de bénédiction, ce sera plutôt des paroles de malédiction. Et tous ceux qui vont répéter ces paroles-là seront tous en train d'adorer le diable, Lucifer directement. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est lui qui est caché derrière ça. Ça peut vous étonner, mais regardez encore. Si vous pensez que c'est un blague, regardez ça. Ça, c'est où ça a été pris? Ça a été pris dans un clip. Dans ce clip, on voit que ces stars-là, plus son groupe de danseurs, de danseuses, ou même ses danseurs, ils ont représenté un gros œil avec leurs mains. Regardez ça. Ça forme un œil. Avec le bras, on ne sait pas comment ces gens-là se sont arrangés, mais ça forme un œil. Regardez, ça quitte ici. Ça quitte ici. Ça vient là. Là. Ça descend là. Ça descend là.
exactement comme votre œil. Hmm? Regardez mon œil. Vous voyez, ça fait ce rond là. Et on voit la pupille. La pupille qui est au milieu, qui est censée être elle-même qui est là. Ça veut dire que ici, on va dire quoi? On va dire que toutes les personnes qui sont là, là, qui sont ici, là, ils sont tous dans le même business. Ce sont des personnes qui se connaissent très bien dans les choses. Elles savent sérieusement ce qu'elles font. En fait, elles savent que ce qu'elles sont en train de faire, là, c'est tout simplement du satanisme. C'est une adoration au diable. Et elles dansent pour le diable. Et pour bien faire la chose, elles vont nous montrer que effectivement, elles dansent vraiment bien pour le diable. C'est pourquoi elles vont exécuter un signe pour marquer ou encore un signe à l'honneur du diable. Elles vont faire un signe à l'honneur du diable ou pour marquer la présence du diable juste là. Hmm? Et ça forme un gros œil. Pourquoi? Est-ce que c'est une coïncidence? Mais frère, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une coïncidence? Moi, je pensais avant que c'était une coïncidence. Mais nous allons comprendre. Regardez encore ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une tête de mort. Et cette tête de mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fout là. Regardez-la bien. Regardez bien. Si nous vous présentons cette tête de mort ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans l'industrie de la musique qui ont des bagues avec des têtes de mort ou des vêtements où il y a des têtes de mort là-dessus, devant. Ou encore, ils ont des têtes de mort gravées carrément dans leur maison ou à l'entrée de leur maison. Même aujourd'hui, je regardais, nous faisons des recherches pour cette vidéo et on a vu un artiste connu, un célèbre qui était très aimé par beaucoup de personnes. Ce gars-là, à l'entrée de sa maison, là, sur sa porte, il y a une grosse tête de mort comme ça, qui est gravée là, un crâne humain. Ouais, ça s'appelle tête de mort qui est gravée là. Maintenant, ce jour-là, elle était visitée par une journaliste. C'est une chroniqueuse dans une émission de télévision. Elle, dès qu'elle arrivait devant sa porte, elle était tellement choquée par cette affaire qu'elle s'est mise à parler. Elle dit, mais ah! Une personne qu'on va voir. Déjà, tu rentres à l'entrée de sa porte. Tu vois une tête de mort comme ça. Mais que va-t-il se passer à l'intérieur? Est-ce que tu vas entrer dans sa maison? Mais les gens sont quand même bizarres. Hein? Elle a dit c'est ainsi. Elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle a parlé ainsi, mais c'était logique. Même vous. Vous allez visiter des gens et vous voyez des têtes de mort comme ça. Ah! Que se passerait-vous? Que se passerait-il à votre niveau? Que se passerait-il? Regardez-vous-même. C'est réel. Et c'est censé représenter le diable. Ou encore un ange de la mort. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que ce dernier-là, quand il veut faire ses concerts, l'affiche publicitaire est tout simplement composée de son image et des têtes de mort comme ça et des flammes de feu. Avec le feu. C'est comme si on le voyait toujours en train de brûler dans le feu de ses affiches. Et les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce que sur ces affiches, il y a des têtes de mort? Il y a la fumée, il y a les flammes, il y a tout ça. Mais frère et soeur, c'est tout simplement parce que il y a un pacte qui a été signé avec le diable. C'est un deal. Et à cause de ce pacte-là, il doit forcément représenter le diable dans toutes ces choses afin que lui, il ait plus de succès. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont le suivre là, seront tous en train de suivre son chemin. Et ce ne sera pas le chemin du paradis. Imaginez la suite. Regardez ça. Wow. Et ce sera ça. Vous qui allez l'aimer, vous allez tout simplement vous aussi recevoir la même marque. La marque du dragon. Le grand dragon.
qui est le diable même. Regardez. Ce forme de Takaoma tatoué un dragon sur elle. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est de la blague? Peut-être que vous pouvez penser que c'est de la blague et que tout ce que nous sommes en train de vous raconter ici, ce sont les mêmes des histoires. Mais ce que nous allons vous montrer, c'est la confession d'un artiste célèbre. À ce concert, il a expliqué pourquoi lui, il dit non, vous serez même choqué quoi. Attendez, mais nous n'allons pas préparer le dispositif maintenant. Nous préparons les éléments. Vous allez voir tous les éléments tout à l'heure. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, cliquez sur j'aime. Mes frères et sœurs, si vous allez à un concert où celui qui chante, il fait de la musique profane, sachez automatiquement que il va vous connecter au démon. Et si vous-même vous êtes conscient que ce gars-là, quand il chante, il met les femmes avec de grosses fesses et des seins, tout ça dans ses clips, c'est que cet homme a été chanté pour le sexe ou encore pour le théâtre. Et si vous avez retrouvé tous ces éléments, que vous ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris pour dire que vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'écouter. Tous ces éléments vous rappellent que le diable est là. Surtout la tête des morts et les femmes sexy qu'on voit dans les clips. Faites très attention. Ici, nous allons voir un artiste célèbre. En plein concert, il va se mettre à parler à ses femmes. Voici ce qu'il va leur dire. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, regardez ce qui est là. Là, on se trouve en plein concert. Et il y a les gens qui sont là. J'espère que vous voyez. On se trouve en plein concert. Il y a les gens qui sont là. Et quand tu parles, on peut voir juste en bas ici. Tout ce qui dit traduit en français. Il parle en anglais, on traduit en français. Nous allons lire. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit, je dois tout vous dire. Je dois tout soit vous prévenir. C'est ce que nous allons lire. Il dit à ses femmes, je dois tous vous prévenir avant. Je dois vous prévenir avant que vous commenciez à crier comme des groupies. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Regardez. C'est là qu'il va se mettre à parler. Vous voyez que ça bouge, hein, c'est en plein concert, ça bouge ici. Il va dire, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, j'ai péché et vous avez péché avec moi. Pourquoi parle-t-il ici? Allons-y pour en savoir plus. Il dit, je préfère tous vous prévenir. Vous irez tous en enfer avec moi. Est-ce que vous voyez? Il dit, je préfère tous vous prévenir. Vous irez tous en enfer avec moi. Pourquoi dit-il ça? Pourquoi parle-t-il ainsi? Il est là, regardez-le, il est ici. Il est ici, voilà. C'est lui, hein? Il dit qu'ils pouvaient tous les prévenir. Il a dit ouvertement qu'ils auront tous en enfer avec lui. Pourquoi? Écoutons la suite. Regardez bien. Il dit, ok, toi tu es déjà au courant. Je suis désolé pour vous, c'est trop tard. Vous êtes déjà pris au piège. Vous êtes accro. Vous avez écouté mes chansons des millions de fois. Vous êtes piégé. C'est mort pour vous. Ah! Qu'est-ce qu'il est tenté de dire encore? Écoutez, il dit, et tu n'étais même pas au courant. Je sais, c'est dur, dommage. Mais c'est trop tard. Mais je t'aime de toute façon. Il dit, voilà pourquoi je vous adore. Parce que
Vous ne me jugez pas, je t'aime. Il y a une chose qui apparaît ici. Il y a une chose qui apparaît juste là. Qu'est-ce qu'il dit à ce niveau-là? Lisons bien. Il dit, ok, toi, tu es déjà au courant. Je suis désolé pour vous, c'est trop tard. Vous êtes déjà pris au piège. Donc, il dit que ses fans iront en enfer avec lui juste parce qu'eux, ils sont déjà pris au piège. À cause de quoi? Il dit, vous êtes accro. Vous avez écouté mes chansons des millions de fois. Vous êtes piégé. Oui, parce qu'eux ont écouté ces chansons des millions de fois. Donc, eux, ces fans, ils sont tout simplement piégés. C'est mort pour vous. Et pour lui, il dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Pourquoi? Parce que vous irez tous en enfer avec moi. Ça veut dire que si toi tu aimes le cas là, la star que tu t'es d'écouter ses musiques matin, midi, soir là, et puis tu ne sais pas que cette personne a vendu son âme au diable, tu ne sais pas que ce dernier là, il est dans des bails noirs, et que toi tu écoutes ses musiques, tu es dans les problèmes, il te dit directement, je dirais même ouvertement, que tu vas le suivre en enfer. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Tout ce que nous avons montré en image tout à l'heure, peut-être que vous avez dit que oh, c'est juste pour faire peur aux gens. Mais quand un gars comme ça vient à plein concert pour vous parler là, est-ce que vous pouvez dire qu'il a juste bu, c'est pourquoi il est ivre? Donc un gars qui est ivre vient chanter, puis toi tu es là, j'étais de son plein concert. Il est bien conscient de ce que la tête de vous dit. Il est tenté de nous dire à nous tous ici que quand on écoute une musique, sans le savoir, on cède notre esprit et notre âme au diable inconsciemment. Surtout quand cette musique-là appartient à une personne qui a signé un deal avec le diable, qui chante pour le sexe, l'argent, la drogue, tout ce que vous connaissez. En fait, une musique où on n'adore pas le vrai Dieu. Et dit que vous avez écouté des musiques, ces musiques des millions de fois. Vous êtes accro. Et vous devez savoir hein, que dans ces clips, il y a la 666, comme tous les signes que nous voulons vous montrer, il y a des femmes sexy, des femmes nues par-ci. Des femmes nulle part là. Et c'est ce que les gens aiment. Ce que vous aimez là, c'est ce que va vous envoyer là où vous n'avez pas envie d'aller. Et il a dit quoi? Il a dit, ah, vous n'êtes pas au courant. Bon, comme vous n'êtes pas au courant, lui va nous vraiment vous dire. Ça veut dire que vous devez chercher à savoir pourquoi dans les clips, il y a des signes occultes. Vous ne devez pas rester là juste à ne pas chercher. Vous allez dire que j'écoute juste pour le son. Un danger qui guette les humains juste à la musique qui a l'air simple. Abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous sur notre chaîne. En cliquant sur le bouton de cette vidéo, allez sur la page d'accueil. Et que Dieu veille sur vous.